Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Et alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'arrête pas de revenir sur la table à chaque fois, comme une piqûre de rappel. Bien souvent, et moi je l'ai constaté, dans l'orga et en dehors, quand j'allais sur différents Discord, la plupart du temps, quand les gens achètent pour la première fois un starter pack, ils vont souvent à l'économie. Parce qu'ils savent pas trop dans quel jeu ils vont tomber, ils n'ont pas envie de balancer des sommes folles pour au final être déçus au bout de 2 mois. Donc, bien souvent, ils prennent les deux plus petits starter packs de Star Citizen que sont l'Aurora MR et le Mustang Alpha. Et puis, au bout d'un certain temps, si jamais ils accrochent au jeu, ben, ils se rendent compte qu'au fil du temps, ce vaisseau leur plaît pas, pour de nombreuses raisons. Et celle qui revient le plus souvent, bah, c'est des vaisseaux qui sont petits et limités. C'est souvent la raison qui est donnée. Alors, oui. Donc après, bon, il dit, quand arrive un nouveau joueur et qui demande qu'est-ce que je devrais prendre en starter pack, c'est très rare qu'ils conseillent l'Aurora et le Mustang Gamma. Ils vont plutôt les orienter sur du C8 ou du Cutter. Mais encore plus sur de l'Avenger Titan, en disant tout ce qui est en dessous, t'oublies, ça vaut rien du tout. L'Avenger Titan ou le 300i, dans cette gamme-là, ça commence à être intéressant. En dessous, c'est pipi. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ce raisonnement. Avec un Aurora, avec le Mustang, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais avec l'Aurora, il offre quand même une certaine polyvalence. Et c'est possible de farmer. Et du coup d'acheter des vaisseaux in-game. Un Aurora pourra très bien vous amener à un bunker, vous allez faire votre mission bunker, vous allez looter, ramener les équipements que vous avez lootés dans le vaisseau, et avec ce vaisseau-là, comme il a suffisamment d'inventaire, bien plus qu'un sac à dos, on va dire, ben, vous pouvez ramener ça à la station où vous avez élu domicile, et faire les allers-retours d'un bunker à l'autre, comme ça, tout simplement. Ah oui, c'est long, voilà. Mais au final, pour celui qui commence à avoir de l'expérience, c'est vite fait, bien fait. Et le vaisseau, c'est qu'un taxi. Alors c'est sûr, pour faire du combat spatial avec un Aurora ou un Mustang, ça va être un peu plus hasardeux. Mais c'est faisable aussi. Une MRT est largement réalisable avec un Aurora. Pour une personne qui connaît un tant soit peu le gameplay, il y a plein d'autres missions qui sont largement réalisables avec un Aurora. Il y a quelque temps, il y avait un YouTuber célèbre, très connu d'ailleurs, que je regarde encore de nos jours, DarkomAI22 pour le citer, qui avait montré qu'avec un Aurora, à l'époque, il pouvait déjà faire 300 000 AUEC en une semaine. Je fais le pari que s'il le refait maintenant, il serait peut-être pas loin du million, hein, parce qu'on fait beaucoup plus de pognon maintenant que lui à l'époque. Hein. Donc oui, c'est possible de farmer très rapidement avec un Aurora, à condition de faire le bon gameplay. C'est sûr que si vous allez essayer d'engager des ERT avec un Aurora, vous allez avoir un problème. Mais faire les bunkers, faire des deliveries et d'autres missions, où on va dire le starter pack a un rôle secondaire, bah c'est largement envisageable. Et je vous mets dans le mille qu'au bout de 15 jours, vous avez déjà acheté un nouveau vaisseau in-game, comme un Avenger Titan ou un Origin 300i, qui sont d'une gamme bien sûr supérieure, mieux armés bien sûr, qui sont plus agréables, on va dire. Et plus stylé, mais un Aurora et un Mustang à Alpha, si on connaît bien les boucles de gameplay, finalement on n'a pas besoin de beaucoup plus. Hein. Il y a des gens aussi qui prennent ces deux vaisseaux-là et qui n'achètent pas d'autres vaisseaux et qui se contentent de monter les échelons. Et puis un jour, à un moment, ils décident de se payer un Karak ou un Hammerhead, et pourtant ils ont toujours leur Mustang et leur Aurora. Hein. Il y en a même carrément qui ont prévu de monter les échelons à partir d'un Aurora ou d'un Mustang, c'est-à-dire ils démarrent dans le jeu, et tous les vaisseaux qu'ils vont avoir par la suite, ce sera des vaisseaux qu'ils auront achetés in-game. C'est un challenge. Alors à ceux-là, quand ils le font, moi je tire toujours mon chapeau à ces gens-là,
Parce que quand même, ouais, c'est respect et puis il faut de la patience quand même, hein. Je ne suis pas sûr d'avoir la patience dont ils font preuve, hein. Mais oui, c'est possible. Donc ces vaisseaux-là, bon, on les décrit, oui, voilà, on les appelle les pots de yaourt, les suppositoires à carac, on les traite de tous les noms. Mais quand on prend un peu la peine de s'y intéresser, ces vaisseaux sont capables de vous aider dans beaucoup de situations. Pour peu qu'ils soient un petit peu équipés, vous pouvez traverser Stanton sans aucun problème avec un Atlas. Vous leur mettez un bon bouclier, un bon PowerPoint et ils vous amènent un peu partout, hein. Alors bien sûr, ce ne sera pas des vaisseaux idéaux pour faire du PVP, bien sûr, hein. Et certaines missions combat, bah, on peut oublier, hein, ils vont se faire déchirer, ça c'est certain. Mais certaines choses, ils pourront les faire quand même. Ils ont quand même une polyvalence qui n'est pas ridicule. Mais c'est toujours pareil, à condition de connaître un minimum le gameplay. Voilà. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs les gens les aiment pas. Et oui, c'est vrai que c'est, on va dire, j'aime pas le dire, mais ça va moins vite pour le farm, oui, c'est clair. C'est vrai, il faut le reconnaître, mais on peut farmer quand même. Donc, c'est une option abordable pour jouer au jeu, à condition d'être bien conscient des soucis que ça peut poser. Donc, c'est sûr que vous farmerez plus ou moins vite en fonction de vos qualités de joueur. Mais ceux qui s'y gagnent bien à voir tout tout de suite et qui n'ont pas la patience, ces vaisseaux-là, oubliez-les, passez à des tailles supérieures. Et ceux qui sont très patients, bah, et qui veulent pas se ruiner, bah, ces vaisseaux-là, moi je vous les conseille tout particulièrement parce que bah, ils sont pas chers, voilà, tout simplement. Et quand on connaît un peu le jeu, eh ben, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus au final. Personnellement, je ne les conseille pas. Je dis juste que avec ces vaisseaux-là, on peut faire des choses. Mais après, quand on a des vaisseaux plus sympas, bah c'est quand même mieux. Et je préfère avoir des vaisseaux personnellement plus sympas que l'Aurora. Bien que j'ai toujours de la sympathie pour mon Mustang, hein, qui est mon starter pack. J'ai toujours de la sympathie pour lui. J'ai de la sympathie aussi pour l'Aurora. Parce que c'est un bon petit vaisseau. Je m'en sers de taxi à l'occasion. Mais c'est pas mes vaisseaux de prédilection, ça c'est certain. On aime quand même les beaux vaisseaux, et là on peut pas dire qu'au niveau de l'esthétisme, ils soient tous les deux réussis. Mais c'est pas ce qu'on leur demande, hein. Ce qu'on leur demande, c'est de pouvoir faire des boucles de gameplay, de pouvoir farmer tranquillement. Alors oui, ils auront moins d'inventaire que les autres, oui, ça c'est vrai. Ils seront moins rapides que beaucoup d'autres, oui. Ils sont moins bien armés que beaucoup d'autres, oui, c'est vrai aussi. Mais c'est pas des vaisseaux de combat, c'est pas des vaisseaux cargo, c'est des petits starter packs, plus ou moins polyvalents en fonction du modèle. Si vous aimez le fight, peut-être choisir le Mustang. Si vous aimez plutôt les bunkers et le farm tranquille, chill, peut-être l'Aurora. Chacun trouvera son vaisseau en fonction des activités de gameplay qu'il veut faire. Mais il faut leur reconnaître une chose, c'est les moins chers du jeu pour lancer, pour avoir un starter pack. Et ça, aucun autre vaisseau ne leur arrive à la cheville. Après, vous avez les Avengers, les 308, les Freelancers, les Cutlass Black, mais tout ça, c'est beaucoup plus cher. Alors, à vous de voir, hein. Mais de là à dire qu'ils sont pourris. Ben là non, je suis pas tout à fait d'accord. Ils sont moins bien, peut-être, oui. Mais pourris, non. Parce que celui qui sait s'en servir vous prouvera largement le contraire. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.